Gear Tactics. On va faire le petit tweet et puis on va jouer à... Enfin, on va continuer, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au bon vieux Gear Tactics. Alors... Je vais mettre les petites adresses Twitch et YouTube. Alors Twitch Monsieur Sai, et puis... C'est quoi déjà le lien de YouTube? Je sais même pas. Le lien de YouTube... Ah voilà, je l'ai ici. Le petit lien de YouTube. Voilà, impeccable. Allez, on continue. Gear Tactics, donc j'y ai pas joué depuis une semaine de cela. Bah, c'était le dernier live, je crois que c'était le 18 mai. Peut-être le 16 mai plutôt. Je crois que c'était le 16 mai le dernier live, on est le 22, ça fait 6 jours. Et on avait terminé, je crois, le chapitre 1. Ou alors, oui, c'était chapitre 1, je sais plus. Bon, on va voir de toute façon. Je sais plus trop. On pouvait récupérer des troupes avec avant-garde, éclaireur, sniper, soutien disponible. Je sais plus si on avait perdu Foxy. Ah non, elle était pas morte. Oh, c'était tellement compliqué. C'est vrai, c'était le boss. On avait fait le boss de fin de cette première partie du jeu. Tellement compliqué. Arbre de compétences. Donc maintenant, on peut sélectionner des nouvelles capacités pour Gabe Diaz. La Cibalie gagne 1 PA ou alors continuer du côté chirurgien si la Cibalie est autour de 250 points de santé, la réanime. Ah, ça c'est bien, salut le Maximo. C'est qui Massimo? Comment ça va? Bah, je travaille toujours sur mon texte là pour le prochain format. Et alors du coup, ça sera même pas un mini format, ça va être un totalement disjoncté. À l'ancienne, parce que... Je sais pas, tu vois, t'as le format texte, je scroll pour aller en bas, à mon avis, ça va durer au moins 10 minutes. Voire un quart d'heure. Ça va être sympa. En mode JDG, voilà, c'est un peu en mode JDG. Alors on va utiliser toute réanimation, 150 points à la fin de votre tour pendant 3 tours. C'est pas mal, 250 couleurs ce côté-là. Le soin de commandant passe 7%. Soigne tous les alliés. Je vais plus prendre du soin spécialiste. Spécialisation et après j'ai ça. Wow! Trop bien. Sur un jeu, un vieux jeu. Je crois bien que je vais faire un autre vieux jeu après. Enfin, je verrai. Ah, c'est quoi compétences diagnostiques? Les compétences de soins gagnent plus 20%. Oh, attends, je veux être super... super efficace avec Gabe. Chargeur. Expert. Plus 5% de bonus. Trop fort. Cross. Ah, légendaire, elle est déjà équipée par je sais pas qui. Est-ce que je peux pas la mettre? 1 sur 1. Compétences passives, donc patrouille. Ouais, on va laisser. Après, la sniper, il n'y a rien. La Foxy, unité lourde. Arme principale, on a le compensateur de recul. On a un nouveau apparemment. Ah mais c'est déjà équipé. Ah bah non. Pourquoi quand on fait ça? Ah non, c'est bon, disponible. Patrouille, ça fait quoi? Les tirs de vigilance augmentent de 20%, cool. Ah donc ça veut dire que ce que j'avais en légendaire, je pouvais l'utiliser alors? À ce niveau-là, tout à l'heure, là. C'est quoi qui était... Ah ça, par exemple, je peux le prendre. Plus 15% de chance de coup critique et plus 25% de dégâts critiques. Bah vas-y, alors. Légendaire! Allez, caserne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'éclaireur, Marcella. Pff, on s'en fout.
Dégage. Je les utilise même pas. De toute façon, ils sont niveau 2, ils servent plus à rien. Niveau 2. Vous ne pouvez pas avoir moins de 3 soldats dans votre équipe. Alors, faut que j'aille recruter des gens. Pour qu'ils montent... ils sont qui... Bah, en même temps, ils me donnent des troupes niveau... quoi. Ils servent à rien, ces gens. C'est Ray. L'éclair Ray. Ils servent à rien. Recrute, Coco. Recrute. J'aime pas recruter. Vas-y, je vais recruter, allez hop. On sait jamais. J'ai recruté le Ray. Mission, c'est parti. Mission, voilà, acte 2. C'est l'acte 2 qu'on a terminé. Acte 2, chapitre 1. Donc on a Foxy qui est tout de suite en place et lieu de... enfin, sur la mission. Gabé Diaz. Donc on n'a pas le... on n'a pas d'autres héros. C'est compliqué de parler, dites-moi aujourd'hui. Oh putain. J'ai le cerveau un peu rouillé. Ah mais j'ai que des niveaux 2 après, merde. Attends, faut que je les équipe alors. J'ai le soutien plus 2 unités lourdes. Il me faut un troisième. J'avais pas prévu ça, moi. Qu'est-ce qu'on prend, troisième à snipe? Ah merde, attends, elle a aussi des capacités, elle. Pourquoi ça clignote comme ça avec 2? C'est peut-être les compétences. Ah, voilà. Alors, Maniteur... bah, le Maniteur, il a pas l'air si génial que ça, mon cher Chris. Tire la cible des ennemis dans un rayon de 4 mètres, entre dans l'état répression jusqu'à la fin de leur prochain tour. Elles peuvent pas se déplacer. Oh 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 oh, mais c'est génial! Comme dirait Patrick Sébastien. Lorsqu'elles rentrent en vigilance, elles gagnent 1 PA. Oh, trop fort! D'ailleurs, j'aurais bien streamé Mafia 2 Definitive Edition. Mais bon, faut faire un choix. Le choix, c'est de finir Gear Tactics avant de passer à autre chose, comme tu écris une vidéo, avant de passer à une autre. Bon. Moi, je veux un sniper. Francesca ou Gil. Gil ou Francesca. Gil a l'air d'avoir un meilleur matos. Les tripes. Mais Gil, c'est un homme. Mais on sait jamais si ce sont des hommes ou des femmes dans ce jeu, là. Ils ont de ces têtes. You're a sniper. Allez, on met ça. Alors, le premier chargeur, puisqu'il y a... je savais pas que FX était mort. Ah si, bah ouais. Ah ouais, Chris, t'as refait le Mafia 2 alors? Le taré. Le pauvre FX. Je crois qu'il avait remonté l'autoroute ou un truc comme ça, à un contresens. Ah, c'est un homme. J'ai fait le jeu 2 fois en normal et en difficile. Et alors, il vaut le coup, le Definitive Edition? Moi, j'ai pas vu de gros changements graphiques. Tiens, on lui met une barbe. La barbichette. Allez, on y va, mission. Non, après, je fais autre chose. Après, je retourne écrire. Là, je joue jusqu'à peut-être 2h40. Je veux finir mon texte aujourd'hui. Parce que ça traîne trop après. Attends, j'ai des armures non équipées. Bah, comment ça se fait? Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Salut, Tonette. Comment on va, le tour des... Ouah, mais c'est magnifique, ce smiley. Enfin, cet émoticône plutôt. Mais qui c'est qui a pas d'armure? Une armure, s'il vous plaît. Pourquoi ils nous disent j'ai une armure spéciale? Ah, j'ai une armure rare qui a pas été utilisée. Ils ont quoi comme armure, les gens? Plus 10% esquive, non. Foxy, il a quoi comme armure? Kit de ranger. Gims, il a quoi comme armure? Potentiel. Bah alors, pourquoi ils nous racontent ils ont pas d'armure spécialisée?
Ah, c'est lui qui a pas d'armure. Tiens, vas-y, j'ai la destruction. Voilà. Le soleil commence à se montrer, c'est une belle journée, l'ami Ricoré. Je ne peux pas comparer. Attends, qu'est-ce que tu mets? J'attends beaucoup du remake du premier. Mais le premier Mafia l'air. Attends, il y a le jeu qui parle. Vétéran, notre petite armée a du mal à s'entendre. Si on veut se débarrasser d'Oukon, va falloir apprendre à bosser ensemble, dès maintenant. Alors, il y a Chris qui nous dit sur Twitch. J'attends beaucoup du remake du premier. Mafia 3DE, maman. Maxime, j'ai terminé. Maman. Maman. Mafia, j'ai terminé Mafia 2DE avec 42 sur 47 succès. En plus de Maniteur. Bah, t'arrêtes pas les jeux, Chris. Mais ils ont pas l'air d'avoir. Comment dire. Vu que le Definitive Edition de Mafia 2 a pas l'air si. Si développé que ça, j'ai l'impression que ils s'en sont rendu compte et qu'il n'y a pas vraiment d'ambition derrière, parce qu'ils le donnent gratos, le Mafia 2 Definitive Edition sur Steam. Si t'as le Mafia 2 classique et le Mafia 3, c'est pareil. Il n'y a pas plus de pub que ça. Et ils ne le mettent même pas avec le Mafia 1 Definitive Edition qui n'arrivera pas avant septembre. Donc c'est comme s'ils balancent ça un petit peu en disant bon, voilà, on a fait un petit peu le remaster. Mais sans plus, par contre, il y aura le Mafia Definitive Edition, le premier, qui lui sera plus avancé. Et donc. Dans ce cas-là, faudra repasser la caisse. Et oui, Todesk, effectivement, le soleil arrive. Et sinon, bah, comme je disais, je travaille sur le. Le texte du. De la prochaine vidéo, là. Cette mission repose sur le travail d'équipe. On va se poster près des caisses et charger le matériel dont on a besoin. Et n'oubliez pas, si on ne coopère pas, on est mort. Qui, ça va être bien sympa d'ailleurs. Prochain format. Comme je disais, ça va être un. Bah, je sais pas si tu peux poser des liens sur Twitch. Bah, si, sans doute, il n'y a pas de modo. Mais attends, faut que je passe son clavier américain. Ça va être un totalement disjoncté à l'ancienne. Je pense faire aussi d'autres jeux. Enfin, d'autres anciens jeux, je vais y réfléchir. Je dois faire un mix entre des anciens et des nouveaux. Là, je me demandais même si je faisais pas un ménage total sur la chaîne. Peut-être que je le ferai un peu plus tard. Pour faire une sorte de vitrine de chaîne YouTube plutôt cohérente. Parce que t'as des let's play, t'as des gameplay. Si on se met que sur du mini format, dans ce cas-là, faut faire vraiment le ménage et laisser sur la chaîne que les mini formats. Parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de trafic sur la chaîne YouTube dernièrement. Et par contre, la vidéo sur Before We Leave, c'est une des vidéos. Ah non, voire c'est peut-être la vidéo la plus regardée de la chaîne. En gros, il y a. Les gens qui passent dessus regardent 52%. 52% de la vidéo. Et il n'y a aucune vidéo qui fait plus de 52% de la vidéo. Alors, en général, les gens, ils regardent 20% de la vidéo, 10%. Là, 52%. Allez, bon, on bouge un petit peu. Ce n'est pas bien de râler quand ils donnent les jeux. T'avais pas fait Mafia 2 depuis 10 ans. Bah pareil, j'ai pas rejoué. Donc on verra.